Bonjour à tous, c'est Virginie. L'été est là, le soleil a commencé à pointer le bout de son nez. Et pour cela, j'ai eu envie de vous parler d'un objet incontournable pour vos vacances, l'appareil photo. Allez, c'est parti. Depuis 1900, donc Kodak a lancé la fabrication d'une série d'appareils photo simples et bon marché que l'on appelait les Brownie. Le modèle qui nous intéresse est donc le Brownie Hawkeye, donc commercialisé de 1949 à 1961. L'aspect général est celui d'un gros cube noir en bakélite surmonté d'une poignée en plastique. Sur le dessus de l'appareil, on trouve un viseur de poitrine. À cet endroit se trouve le déclencheur et en dessous le sélecteur de vitesse. Pour que la pose puisse être obtenue, il suffit de tirer cette glissière vers le haut. Un enjoliveur métallique relie l'objectif, la fenêtre du viseur et le viseur lui-même. Au point d'attache antérieur de la poignée se trouve un verrou en métal, donc qui permet que la partie arrière du cube ne se désolidarise de la partie avant. Pour donc procéder au remplacement du film, il suffit donc d'ouvrir ce verrou et une fois la pellicule changée, il faut donc assembler à nouveau les deux parties et ne pas oublier de remettre le verrou. N'hésitez pas à faire de jolies photos de vos vacances et profitez bien. D'ici là, moi je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Tuto Objet. À bientôt!